Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un long ruban de bitume que vous avez sans doute emprunté pour aller dans le sud de la France. Vous allez voir, ce que je vais vous montrer est l'envers du décor. Alors, vous vous êtes peut-être embêté dans les encombrements, il y avait peut-être des accidents, etc., etc. Mais moi, je vais vous montrer vraiment l'envers du décor. Ce que vous ne verrez peut-être jamais. J'espère pour vous. Alors me voilà au cœur du peloton d'autoroute d'Orange. Ce sont des gendarmes. Alors bien entendu, des salles de contrôle sont en contact constant avec la gendarmerie pour les informer de ce qui se passe sur l'autoroute. Ces salles de contrôle sont gérées par les compagnies d'autoroute. Un accident, il faut désincarcérer le conducteur. 22 811, on me signale un accident là, avec un papa lima qui serait couché sur le terre-plein central au PK 24 sens sud-nord sur Alpha 9. Le chauffeur est incarcéré a priori. Les pompiers sont avisés, vous transportez également, parlez. Oui, 212, je me transporte sur le lieu, je vous rappelle dès mon arrivée. Ouais, c'est bien reçu. Quelque part sur l'autoroute du Soleil, sur le fleuve de bitume, en dehors du lent courant de la circulation, une épave. Pour les gendarmes, rapidement arrivés sur place, c'est la routine. Réconforter, soulager, et surtout éviter le pire, l'enfer du carambolage. De garde 24 heures sur 24, le gendarme est disponible pour toutes sortes de missions. Sur l'autoroute, secours d'urgence, mais aussi contrôle de vitesse, mission de surveillance sur les aires de repos, lutte contre le trafic de drogue. Il arrive souvent que les 30 gendarmes du peloton d'Orange soient débordés. L'autoroute est un endroit complètement clos. Il est impossible d'y rentrer ou d'en sortir, si ce n'est par les péages ou les voies d'accès. Mais il y a d'autres entrées. Or, justement, le rôle des gendarmes est également de faire attention à tous les passages. C'est un accès possible pour les gens qui viennent faire des vols sur les airs, donc une clientèle pour nous, quand on se passerait, le portail est encore ouvert. Alors, on le répète. Après la surveillance, la planque. Nous passons par un tunnel d'écoulement d'eau qui est utilisé par les diverses bandes qui sévissent sur l'air. Alors, d'un seul coup, une alarme générale. Un péage vient d'être braqué par des gangsters. Cette fois, l'affaire est sérieuse. Des braqueurs sont en train de dévaliser le péage de Salon de Provence. 6 milliards de centimes sont en jeu. Mobilisation générale, tous les gendarmes disponibles sont réquisitionnés. 1502, je vous écoute. Je peux vous lire le message. Affirmatif, lisez-le rapidement. Attaque la garde PH par du armé à Bourville. Renseignement communautaire suivant, usage des armes, gendarmerie, Les malfaiteurs ont fait usage des armes, c'est ça? Malfaiteurs n'ont pas fait usage des armes. Bien reçu, c'est très bien pour les gars, félicitations. Il vient d'avoir une attaque en main armée sur une gare de péage. On ne sait pas exactement ce qui a été enlevé, mais ce qu'on sait, c'est que les individus, qui étaient au nombre de 4 ou 5 apparemment, sont arrivés avec un véhicule volé. Les gendarmes sont arrivés très rapidement sur les lieux, car ils n'étaient pas loin. Ils ont fait ouvert le feu, mais il n'y a pas eu de dégâts. En revanche, les individus ont été obligés d'abandonner leur véhicule. Au bout de quelques heures, on a repéré certains malfaiteurs. Sur les lieux du braquage, un dispositif de bouclage est mis en place et les recherches commencent aux alentours.
Il a été vu la dernière fois à hauteur du péage, là, à hauteur du petit parking, il est remonté vers là-bas. Il est remonté vers là-bas. Mais moi, je suis sceptique, hein, je vous le dis. Personnellement, je suis sceptique. Hein. Nous allons survoler la zone dans laquelle vous vous trouvez. Ce seul signalement est un treillis, est une veste de treillis. Vous l'avez là? Bon, vous le gardez, on va mettre pour que simplement qu'il soit reconnu de manière formelle comme étant un dégât qui faisait partie de la balle. Ouais, moi-même, non. Vous le mettez dans la voiture de manière à ce qu'on puisse le voir sans qu'il voit les gens. Sans qu'il voit les gens. Hein, Bouchon? Cinq hommes en cavale, un malfaiteur arrêté, il a avoué s'être débarrassé de son arme dans une rivière. Ouais, non, là, il y a une arme, là. Il faudrait venir chercher. Il a dit dans le ruisseau, non? Ah ouais, vu, là. Eh ben, mets le pied. Oh, on dirait. Ah, là je touche quelque chose. Là. Je suis obligé d'envoyer les mains. Hein. Pas la mienne. J'ai la crosse. Attends, ne tiens pas la crosse, donne. Ah ouais, mais trop tard. Jette-le partir. Là, ici. Attention, voilà. Il est armé, il est chargé. Ouais, je sais, mais je peux plus bouger, moi. Attrape-le. Un peu plus loin, une voiture est en feu. Une jeune femme a tout perdu. Une voiture est en feu, dangereux car la garrigue est sèche et peut d'un instant à l'autre s'embraser. Il faut faire vite, dévier les circulations et surtout, essayer d'éviter les embouteillages. Pour ces deux automobilistes, les vacances sont finies avant même d'avoir commencé. Alerte, des gitans ont été signalés sur une aire d'autoroute. La BRI s'y rend immédiatement. Pourquoi les gitans, ils se déplacent comment dans les temps? Bon, en général, ils se déplacent dans les véhicules. Quand ils veulent faire des coups, ils se déplacent dans des véhicules très puissants, style BMW série 7. En général, ils sont 4 à bord. Le plus souvent, ils sont accompagnés d'un autre véhicule. Et ils sont armés de fusées à pompe. Un terrible accident vient d'avoir lieu. 18h. Alerte générale. Ce que tout le monde redoutait est arrivé. Un accident mortel. Un camping-car allemand s'est fait percuter par un camion. L'enquête commence pour déterminer la cause de l'accident. Tu vas me mesurer l'avant de la semi-remorque là? Ouais. Par rapport à la glissière. Mesures et croquis vont être indispensables à l'enquête et seront transmis au parquet d'Orange.
On est blanc, on peut pas trop travailler. Un petit peu. Ouais. Plus on a un petit problème avec la moto là qui pétaradait. Elle tombe sur un cylindre. Bon ouais. C'est... Bon, on a des voitures qu'on est obligé de finir qui ont plus de 300 000 km. C'est un peu. Et les radios ? Les radios, on a beaucoup de problèmes de radio. L'interférence ? L'interférence. Autant sur autoroute, on est. Ça devrait passer. Ouais. Mais bon. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit récit vous a ouvert les yeux sur ce que vous avez peut-être traversé, l'autoroute du Sud. À bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous.